Bonjour, c'est Grey Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de StarCraft. On est en Protoss contre Terran, on joue sur Romanticide et on a un niveau de jeu diamant autour de 3800 MMR. Hop là, tac. Ça fait longtemps que j'ai pas joué sur cette map. Hop. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas joué contre un Terran aussi. Hop. On va aller prendre la vision sur B2 direct. Ok, ça part en centre de commandement. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Je devrais donc être assez safe sur leur lit. Hop, je balance mes stalkers. On va poser B2 après. Pas de Reaper. Voilà qui est étonnant. Ok, le pylône qui proc. La deuxième vague de Stalker qui arrive. On va refaire un pylône accessoirement. Enfin, on va déjà faire petit bouclier. Hop, le pylône ici. Le warp. L'économie à fond. Ok, en général quand ça scanne c'est que ça veut attaquer juste après. On connaît. Ok, j'ai mes stalkers qui sortent. Ça c'est pas mal. Je vais faire une forge. Non, pas d'attaque. Ok. Tant mieux. Je vais faire également tac, un peu de tech. Je vais rebalancer des sentinelles, je pense. Ça me fera de l'info. Faire des gates. Essayer de poser quelques défenses statiques. Ok, bon, là ça va, c'est mignon pour l'instant. On va mettre ça là. Bon, je fasse gaffe parce que s'il me balance de l'Eliane dans mon camp, ça peut faire des gros dégâts. Yes, je vais faire la charge le plus sain. Full chrono évidemment. Je vais essayer de prendre un peu d'infos sur ce qu'il me fait.
Tac. Let's go. Ça veut dire que je me fasse une robot aussi. Faire quelques zélotes. On va go B3 en vrai. Hein. Ok, il y a une B3 en face. Oh putain, il est sérieux. Je vais prendre tellement cher, j'ai pas de détection. S'il s'invite. Mais non, mais putain. Oh bah alors là, GG, bah c'est fini. Hein. J'avais pas posé ma deuxième. C'est dramatique. J'avais pas posé le canon ici. Je sais pas, franchement, si je me relève de ça, c'est juste un miracle en fait. Bah GG, c'était cool. Belle game. J'ai pas de détection. Bah génial. Fin de la game. On va quand même faire le blink. Mais là, je suis pas censé me relever de ça. Hein. Allez hop, une banshee ici. Normalement j'ai de la détection quand même, mais non. Mais mes props qui veulent se suicider. Mais... Ok, il s'est pété son truc tout seul. Petit souci d'APM des deux côtés apparemment. Mais là, ça va être ingérable. Hein. Je vais essayer de me reblinder un peu si je peux. Parce que là, je vais me faire harass en boucle. Sauf que lui, maintenant, économiquement, il doit être sur 4 bases, hein, à peu près. Donc, bah, normalement, j'ai aucune chance de comeback là-dessus. Je vais tester quand même. Parce que je suis un tryharder, évidemment. Et voilà, B4, bah super. Beaucoup de méca apparemment en face. Ok, je vais donc faire de l'immortel dès que je peux. Vraiment là? C'est relou en fait. Voilà. Alors, je perds encore des trucs pour rien, ça rend fou. On va essayer d'aller prendre un peu de vision sur les endroits de passage. Let's go. Je vais me blinder hein, autant que je peux parce que là je prends tellement cher. J'ai pas de prod, je suis complètement à poil. Il faut que je... De toute façon là j'ai un stade où je suis complètement perdu, il faut juste que je me fasse de la prod. Que j'espère que je me fasse pas crush tout de suite. On va faire de l'imo. J'ai masse gaz, je vais faire pas mal d'arcont. Je sais pas pourquoi il m'attaque pas, je pense qu'il doit avoir largement de com défoncé. Après ça se trouve il est parti juste full macro à race et il a pas d'armée mais... Là il domine complètement le combat pour l'instant. En vrai je pense que je vais ouvrir. Ok on a le plus 2, on va go plus 3, hop. Ouais, il se blinde. Il va me falloir une B4 assez vite. J'ai toujours aucune idée de l'attaque qu'il a. Ok, ça va attaquer par là. Allez, ça je lui prends déjà.
Il faut du coup. Ok, ça va, j'ai de quoi défendre. Je m'en sors pas trop mal. Ça aurait pu être bien pire. En vrai, je pense que je vais me faire un peu. Je vais tenter une transition aérienne, sinon j'ai aucune chance. J'ai une armée pas dégueu en vrai, mais je pense qu'il est tellement devant en écho. Je sais pas trop comment je peux avoir une chance de faire quoi que ce soit. Ok, j'ai mes deux IMO. On va essayer de remplir cette base. Ah, il se blinde. Ouais, bah ça confirme ma théorie que je vais devoir go aérien, peut-être des tempêtes. Il me faut ça. Putain. Je vais full chrono mes améliorations. Ok. Hop. Les upgrades qui s'enchaînent. Je vais peut-être lui envoyer du run by de Zelot. On va go B5 si on peut. Ok, il m'envoie de la race. On va essayer de se barricader autant qu'on peut. Allez hop. Ouais bon il a race à fond quoi, mais franchement c'est ok. Ouais il m'a quand même pris pas mal. Ok je go full amélioration. J'ai quand même pris assez cher mais... Franchement, ça va. Ouh là là, il y a beaucoup là. Je vais me faire bourrer. Il faut que j'attaque avant qu'il soit campé. Par contre, là, j'ai masse. Hein. On va go full immortel. Comment c'est possible que je le pète? Je n'ai aucune idée. Si, je sais en fait. Ma compo d'armée est mille fois meilleure. Mais c'est un peu un bouffon de ne pas être largement devant. Parce que vu ce que j'ai pris, on va go faire des tempêtes pour pouvoir le décamper à fond. Ok, il go Battle Cruiser. Hein, je m'y attendais un peu. D'où l'intérêt d'avoir fait des Dislockers et des tempêtes. Je le touche là ou pas? Ça va en vrai, hop. Il prend assez cher. Je vais peut-être battre en retraite. On va go B5. Je vais aller check un peu ce qu'il a. Tac, là j'ai 4 de trop. Go B5, tac, tac. Allez, deux tempêtes, on va en faire 4. Ok. J'ai une bonne écho. On va blinder cette base. On va voir où est-ce qu'on peut l'attaquer. Je continue à avoir des upgrades qui s'enchaînent. Je vais péter ça en vrai. Hop. Je vais faire du porte-nef. Je sais pas trop par où attaquer en vrai. Ok, ça c'est cool, bah ça c'est gratos. Merci. Allez, on continue à chrono boost à fond les upgrades. Est-ce que je peux attaquer par là? Merde, j'ai perdu une détection. Qu'est-ce que c'est que ces milliards de tourmenteurs là? Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais faire des milliards de zélotes, ça me va. C'est ok, c'est ok. Ok, il me pète mes porte-nefs et après, j'ai mes tempêtes qui vont le rect. J'ai mes immo qui font un massacre au sol comme pas possible.
Je vais refaire du disloquer, on va remplir la B5. Chrono, les améliorations à fond. J'ai pris cher quand même un peu, mais en vrai, je pense que je peux continuer le push. Mes tempêtes vont le découper. Je renvoie une vague de zélotes encore des zélotes. J'ai tellement de minerais en trop. Allez, full upgrades aériennes, c'est bon, c'est parti. Les tempêtes qui se font un peu détruire, mais les zélotes au sol, j'ai trop de DPS au sol en fait, il arrive pas à tenir. Full upgrades, c'est bon, c'est parti. Il me faudrait un tout petit peu plus de prod. Tac, tac. Est-ce que je peux le tomber là ou est-ce qu'il va juste me bouffer? Faudrait peut-être que je me regroupe un peu en vrai. On va juste aller péter ça. Ah, j'ai que de la pop au sol en fait. On va juste se regrouper. Ah, je lui ai fait des énormes dégâts. C'est bon, ça compense un peu avec ce que je me prends depuis le début de la game. Parce que pour il m'avait harassé à fond, moi je lui ai fait zéro dégâts économiques. Jusqu'à maintenant en fait. On va quand même se blinder un tout petit peu ici. Je vais me refaire des archontes, c'est vraiment bien contre l'armée qu'il a, qui est toujours paqué. Allez, on va gober 6. Là, j'en ai deux qui vont là-haut. Allez, évidemment, je me suis bloqué, ça c'est la classique. Oh bah oui. Bon, il m'a pris un petit peu. Ça va encore. Et on va passer full pop. Vraiment là? Donc ça va foutre le mec. Est-ce que je peux avoir ma B6 s'il vous plaît? Je vais le bouffer, hein, je m'en fous. Hein. En vrai, je suis tellement large aux upgrades. Je pense qu'en écho, je le détruis aussi. C'est quoi, c'est la B5 qui s'est faite vider comme ça? Effectivement, c'est un peu technique. Mais je pense qu'il va quand même avoir du mal à me tenir. Hein. Ah, il a des bonnes grosses upgrades aussi. Hein. Mais là, je pense que j'ai une plus grosse puissance de feu. Let's go. Pouh, c'était pas évident. Pas évident. Je pensais que j'étais vraiment derrière à un moment. Mais en fait, je pense qu'il était juste parti en mode full Arras expand et du coup, il avait pas forcément de quoi me crush et comme j'avais des bases assez blindées. Franchement, c'est pas mal. 18 minutes, oh, 200 APM en face, moi je galère. Il a deux fois mes APM en vrai, moi je comprends pas comment les mecs là ils sont pas genre grand master, mais bon. Niveau des scores, j'ai dominé. Valeur d'armée, bon à la fin j'avais largement une meilleure macro. En vrai, je lui ai fait un push qui a complètement détruit son économie. Bah voilà, c'est là. Taux de récolte des ressources, il me dominait, ça c'est l'économie. Et vroom. Et j'ai juste reset parce que j'avais plus que de l'armée au sol, j'ai refait un peu de prod et je l'ai terminé. Les upgrades, hein, je l'ai dominé absolument. Et les ouvriers actifs, bah c'est vraiment mon... Il était devant grâce à la race qu'il m'a faite, on voit bien. Hein. Les ouvriers, ça c'est les coups d'Arras qu'il m'a fait, il m'a mis un peu au fond avec ses banshees tourmenteurs, et à un moment il m'a pris beaucoup sur la B2. Lui il est full parti macro à fond. J'essaie de remonter, il me dominait, et là je lui ai fait le push qui l'a atomisé. Je lui ai pris genre 3-4 bases, et plein d'ouvriers, et après bah, j'avais juste à dérouler, et c'était une exécution. Très belle game, ça m'a bien plu. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.